Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes là pour adorer notre Dieu, pour danser, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais comme d'habitude, avant de commencer, nous allons louer et recommander cette émission dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, une fois encore, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire merci. Toi qui nous as gardé tout au long de la semaine passée, tu as protégé nos allers-retours, ton bâton et ta houlette nous ont rassurés, nous ont gardés. Nous sommes venus te dire merci ce soir pour ce que tu veux faire encore. Cet esprit prend contrôle absolument, du début jusqu'à la fin de cette émission. Merci pour ceux qui vont regarder cette émission en direct et en différé. Merci parce que leur vie ne sera plus la même. Et que ton nom soit glorifié et magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir une fois encore, la régie n'est pas là ce soir, mais le Saint-Esprit est là. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, soit dans la joie, notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Nous sommes ses enfants et puis il sait de quoi on a besoin, nos difficultés, tout ce qu'on traverse, il est toujours avec nous. Ce soir, nous allons danser, nous allons au Bénin, il s'appelle Chantre Baba Baba dans Aïron Pemero. Les difficultés de ce monde. Ne laisse pas les difficultés de ce monde te surmonter, te dépasser. Donc nous allons l'écouter, nous allons danser pour ce qui. Cette belle mélodie dans Pemero. On y va. Papa, don't know.
C'est les choses, les difficultés de ce monde. Ne laisse pas les difficultés de ce monde te dépasser ou te dominer. C'est ce qu'il dit en béninois. Je voudrais dire que ce soir, nous traversons des moments très compliqués. Et la Bible nous a déjà averti que vous aurez des tribulations, mais ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus a dit, ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Je voudrais dire que ce soir, n'oublie pas de partager ce moment. Nous allons partager un moment exceptionnel. Un moment glorieux devant notre Seigneur Jésus. Même si la régie n'est pas là, je serai au four et au moulin. Et rassure-toi que tu vas danser encore ce soir pour la gloire du Seigneur. Nous allons encore au Bénin. Elle s'appelle Sœur Anna Tego. Dans son pleuvoir du Seigneur. Thank you.
glorifions notre Dieu, il est merveilleux, notre Dieu, il est merveilleux, il est digne de louange. Merci, sœur Anna Eko, depuis le Bénin. Ce soir, nous allons partager un moment exceptionnel. Dis à ton ami, dis à quelqu'un que ce soir, nous sommes dans la présence de Dieu. Et le thème de mon message, c'était le message précédent, le même thème de la semaine dernière. La terre appartient à Dieu, part 2. La semaine dernière, on a vu comment Dieu, son trône où le ciel appartient, c'est là-bas il réside. C'est là-bas Dieu s'installe au ciel et il a donné la terre aux hommes. Et on a vu, la terre n'appartient pas à quelqu'un. La terre appartient à Dieu. Même si Dieu, il est au ciel et il a donné la terre aux hommes, cette terre sur laquelle nous sommes ne nous appartient pas. Et on a vu la semaine dernière que Dieu a donné cette terre aux hommes et l'homme, c'est l'homme selon ce qui se passe, l'évolution ou les recherches de l'homme. L'homme a dit maintenant, on ne peut pas être libre. Il faut faire des frontières. Il faut faire des barrières. Il faut faire des distinctions. Et ce soir, nous allons lire dans le livre de Genèse, d'accord? Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, Dieu a décidé un jour de dire à quelqu'un, un homme, quitte chez toi, voici, dans le pays que je te montre. Dieu ne lui a pas encore montré ce pays. Il ne connaît pas encore la terre qu'il va occuper. Et Abraham est parti, effectivement, comme Dieu lui a dit. Mais Abraham, la Bible ne nous a pas dit, lorsque Abraham était sur cette terre, là où Dieu lui a montré, là où Dieu veut le bénir, il n'a pas acheté cette terre. Dieu lui a donné. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, la terre l'appartient. La terre n'appartient pas à un homme. La terre appartient à chaque, à Dieu. Et Dieu dit à chaque personne, sors de chez toi. Moi, je ne suis pas français d'origine, je ne suis pas française d'origine. Je suis pas d'ici, je ne suis pas né ici, je n'ai pas grandi ici. Mais pourquoi je suis en France aujourd'hui? Parce que Dieu a voulu que je sois ici. Dieu veut que je vienne ici. Dieu, dans le plan de Dieu, lorsque j'étais au Bénin, je ne savais pas que je serais en France en train de faire une émission ici. Mais Dieu veut que je fasse cette émission pour que quelqu'un soit sauvé, pour que quelqu'un soit éclairé. Parce que pourquoi? Lorsque Dieu t'a fait venir en France, Dieu veut que tu parles de lui. Il a dit, allez, allez, que Dieu a dit, ne savons pas là où on allait. Comme Abraham, Abraham ne savait pas là où il allait, mais Dieu va voulu que je sois ici aujourd'hui. C'était déjà dans le plan de Dieu. Dieu savait que je serai ici en France un jour et je vais parler de lui. Dieu sait qu'un jour, je serai ici parler, édifier quelqu'un ou donner la bonne nouvelle à quelqu'un. La preuve, dans le français, on parle des expatriés. L'expatrié, ça veut dire quelqu'un qui quitte chez lui, s'installe sur notre terre. C'est ça. Un français d'origine peut sortir d'ici et dire, oui, je suis fatigué de résider en France. Je suis fatigué d'habiter dans
dans ce pays. Je vais en Afrique. Un Africain peut quitter ici. Il s'installe là où il veut. C'est comme ça que Dieu a voulu que chacun de nous, nous vivons normalement. Mais lorsque Dieu a créé l'être humain, les hommes, on a commencé à faire des barrières. On a commencé à faire des distinctions. Nous allons lire encore dans le livre de Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, verset 10. Verset 10 à 13. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Voilà encore, Dieu a donné la terre à Jacob. Jacob voyageait. Jacob quittait. Il voyageait. Il quittait Beersheba pour aller à Charan. Et au bout de la route, il fait nuit. Il faut qu'il dorme. Il faut qu'il se repose. Jacob ne savait pas. Là où il va se reposer, c'est là où Dieu a voulu qu'il habite. C'est là où se trouve sa bénédiction. Et la Bible déclare, lorsqu'il dormait, il faisait un son. Ce songe, ça veut dire quoi? Il voit une échelle plantée au sol et le sommet touche le ciel. Et les anges descendaient, montaient, descendaient, montaient. Et Dieu lui a dit, voilà, c'était là où tu es bien foulé, tu as mis ta tête, tu dors. C'est là où je te bénis, je vais te bénir sur cette terre. Cette terre t'appartient. Dieu a dit à Jacob, cette terre t'appartient. Parce que tu as foulé cette terre, cette terre t'appartient. Et c'est pas la même chose. Jacob ne savait pas qu'il allait être béni ou habiter cette terre. Mais lorsque le soleil est couché, il faut qu'il dorme. Il ne savait pas qu'en dormant sur cette terre, Dieu a béni cette terre. Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. J'ai l'habitude de dire ça. Les hommes peuvent faire des choses par hasard, par coïncidence, bon, par chance, comme on dit aussi dans le français courant. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de chance. Il n'est pas un Dieu de hasard. Non, un Dieu de coïncidence. Nous avons des gens qui disent, ici c'est pas chez toi. Chez toi c'est où? Nous avons des gens qui disent, que l'habitude de dire, oui, tu es un étranger. Nous sommes tous des étrangers. Nous continuons cette émission. Mais avant de continuer, nous allons danser encore. Nous allons au Congo. Monsieur Bakenda, il est en featuring avec Moui Nia dans son pour la gloire du Seigneur. On y va. Oh, okay.
très grand choix pour moi toujours de me présenter ici pour parler de lui, pour danser pour lui, pour dire ce qu'il a fait dans ma vie. Et je sais que toi aussi t'es béni chaque semaine, à chaque fois que je viens ici parler de lui. Je nous parlons de la terre. Nous avons d'autres personnes qui ont l'habitude de dire, oui, ici tu es un étranger. Je voulais te dire ce soir que nous sommes tous des étrangers. Nous sommes tous des étrangers. Parce que lorsque, pourquoi, je vais vous prouver pourquoi nous sommes des étrangers. Tu peux avoir des millions, tu achètes des parcelles, des terres partout. Le jour où tu meurs, tu partiras les mains vides. C'était que tu achètes avec ton propre argent, tu partiras nulle part avec. Tu vas laisser cette terre, ça pour que la terre appartienne à Dieu. Et nous, quand, lorsque nous regardons Dieu, nous sommes créés, nous sommes tirés de la terre. Dieu a façonné, a pris la terre, l'a façonné. Il a soufflé son souffle dedans et nous sommes devenus des êtres vivants qui respirent. Donc, nous sommes tirés de la terre. La terre appartient à Dieu. Et Dieu a utilisé cette terre pour nous fabriquer. Et lorsque nous achetons cette terre pour construire les maisons, pour construire des châteaux, des tours, tout ce que nous voulons, nous allons laisser cette terre, nous allons partir, ça pour que nous sommes tous des étrangers. Personne n'est venu sur cette terre pour garder la terre qu'il a achetée longtemps. Personne n'est venu rester éternel. Un étranger, lorsqu'il vient chez toi, il a un moment, il a une durée, il a une période, il doit repartir. Donc, nous sommes tous des étrangers. Tu es français, tu es un étranger. Tu es africain, tu es un étranger. Tu es un américain, étranger. Tu es un chinois, étranger. Tu vas repartir. Parce qu'un étranger ne reste pas longtemps chez quelqu'un. Si tu abuses de son hospitalité, il va te chasser. C'est ça. Nous sommes tous des étrangers. La terre ne nous appartient pas. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une très grande joie de vous. De partager ce moment avec vous encore ce soir. La régie n'est pas là, elle me charge de vous dire qu'elle est toujours de bon cœur avec vous, elle est toujours avec vous. Et la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons nous retrouver ici encore. Je vais lire le verset de la fin. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. Next week. You'll be together again. May God still bless you. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, on sera encore ensemble ici si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Ciao.